refrain se chante. Sois adoré, ô source de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle. Louange aux vies, à l'agneau de Dieu. Les pensées du divin conseil. Cette émission au pied du maître, nous ne voulons pas être vus. Nous ne voulons pas être, ô Dieu, en avant, mais nous voulons, Seigneur, nous humilier. Nous voulons, Seigneur, diminuer, que toi seul sois élevé. Nous voulons, Seigneur, nous mettre en retrait et laisser tes lumières en avant, afin de nous emmener dans les profondeurs de ta gloire, afin de nous emmener devant le trône béni de l'éternel Dieu des armées. Seigneur, nous voulons être des adorateurs. Car il est dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Tu es ma raison de vie. Tu cherches les adorateurs, Seigneur. Tu es ma raison de vie. Qui veut t'adorer, Seigneur. Tu vas nous inscrire, ô Dieu, parmi toutes ces personnes qui se tiennent au devant de ton trône, afin de reconnaître ta majesté, de reconnaître ta seigneurie, de reconnaître ta grandeur. Bien-aimé, je t'invite à entrer dans la présence de Dieu maintenant. Bien-aimé, je t'invite à réaliser que Jésus-Christ est Seigneur. Je t'invite à réaliser que Jésus est réel. Je t'invite à réaliser que Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Ne regarde pas à nous, nous sommes que des simples gens. Tu es certainement malade. Tu as certainement des problèmes, des soucis. Je veux te dire que l'adoration peut changer ta vie. Dans l'adoration, le Seigneur peut agir puissamment dans ta vie. Jésus. Nous voulons nous associer aux 24 milliards. Nous voulons nous associer aux 4 êtres vivants et aux myriades de créatures célestes. Tous ensemble devant le trône de l'agneau pour dire saint, 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 l'éternel des armées. La terre est pleine de ta gloire. Jésus, sois le centre de cet instant. Sois le centre de ce moment, Seigneur. Sois, ô Dieu, le roi. Sois glorifié dans cette émission. Nous voulons être à tes pieds, Seigneur, et nous abandonner devant toi, nous attendre à ton Esprit Saint. Oh Jésus, nous t'invitons, Seigneur, nous invitons ta sainte présence éternelle, nous invitons ton règne, oh Jésus, toi qui reviens, nous cherchons, nous voulons nous préparer à ton retour, à ton événement imminent. Oui, l'Esprit se dit, viens, 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 Jésus, viens. Et toutes les tribus fléchiront le genou, tous ensemble diront gloire à celui que nous attendons. Quel est son attendons ce nom, c'est Jésus, puissant. Oh, à celui que nous attendons, puissant nom, c'est Jésus. Oui, son nom, c'est Jésus, l'éternel des armées, brillant de Juda, étoile du matin. L'éternel des armées, brillant de Juda, étoile du matin. Oui, son nom. Oh, roi des nations, soleil le nom, admirable conseiller, plein de paix, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus.
commence à l'acclamer, car il est digne de louange. Oh, il est le véritable Dieu. Oh Jésus, moi je veux me sanctifier, j'ai choisi de me sanctifier, j'ai choisi de me purifier, parce que je vais aller à ta rencontre, Jésus. Oh oui, je veux. Les éclus des cieux, tu as déchiré une voile de tes inimitiés, la voile qui nous empêche d'entrer dans ta présence, Seigneur. Et tu nous donnes la grâce de ta présence. Le ciel qui fut fermé autrefois, tu as ouvert les éclus des cieux, afin que la guérison, Seigneur, la guérison soit possible pour ceux qui croient en toi, afin que la délivrance soit maintenant possible. Seigneur, merci pour la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison qui produit la vie en nous, qui produit, oh Dieu, ouvre la délivrance. Les écus, ce ciel, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh, ouvre les écus, ce ciel. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh, ouvre, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh, ouvre, ouvre les écluses des cieux. Que ta les églises des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh, ouvre, ouvre les églises des cieux, que ta pluie tombe. Oh Jésus, que ta pluie tombe, la pluie de la guérison. Seigneur, oh, ouvre les écluses des cieux, la pluie de la guérison, la pluie de la délivrance, la pluie de la restauration. Alléluia, Jésus, Jésus, tu es couronné. Alléluia, Jésus.
prendre la place du roi dans le cœur, Jésus. Prends la place du roi dans l'église, Jésus. Oh oui, mon Dieu, oh oui, mon Dieu. Vois comment ton peuple est en train de pleurer. Vois comment ton peuple est en train de souffrir. Seigneur Jésus, j'ai crié à toi, agissez. Changer ta vie. Ce nom l'a changé.
Ce nom m'a donné la joie, ce nom m'a donné la paix, ce nom m'a donné le bonheur, ce nom m'a donné la vie éternelle. Et nous voulons élever le nom de Jésus, nous voulons glorifier le nom de Jésus. Bien-aimé, élève ce nom, là où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ta position sociale. Mais devant ce Dieu, nous sommes rien. Devant ce Dieu, nous sommes simplement une créature. Nous sommes simplement des enfants pour ceux qui l'ont reçu. Notre position n'a rien à voir. Les 24 veillards ne regardent pas à leur couronne. Ils les jettent devant le trône de Dieu. Nous voulons mettre au devant de toi, Seigneur, tout ce que nous pouvons être. La position sociale ne veut absolument rien dire. David, du roi qu'il était, il savait s'humilier devant toi. Il savait oublier qu'il était roi, parce qu'il réalisait que dans sa royauté, il y a un roi qui est au-dessus de tous les rois. Que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aide-nous à réaliser ta grandeur. Aide-nous à réaliser ta profondeur et à expérimenter la puissance de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. C'est en toi que je trouve la paix. Merci, Seigneur. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que je trouve la joie. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que j'épuise ma force. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Tu es Seigneur, tu es Adonai,
et que tu règnes sur la mort, car tu as vaincu la mort, tu as ressuscité le troisième jour, et tu dis que si celui qui croit en toi, il vivra même s'il meurt, parce que tu as exposé le royaume des ténèbres, tu as exposé la puissance des ténèbres, tu as livré en spectacle le diable et tous ses agents, et tu as triomphé de la mort. Voilà pourquoi nous ne craignons pas la mort. Voilà pourquoi, Seigneur, la mort, ô Dieu, nous permet encore de pouvoir entrer dans l'éternité avec toi. Jésus, nous voulons simplement nous préparer. Nous voulons simplement, ô Dieu, mettre nos vies en accord avec ta parole. Et nous savons que nous te verrons très bientôt, Seigneur. Nous te verrons quand tu reviens. Nous te verrons, Seigneur, car c'est notre désir. Nous te verrons et nous vivrons éternellement avec toi. Avec, Seigneur, les myriades de créatures. Jésus. Alléluia, ton hommage, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la puissance sur la mort que tu nous donnes. Merci pour la joie, ô Dieu. Merci parce que tu règnes, Jésus. Tu es Seigneur dans toutes les circonstances. Dans la vie de mon frère qui me suit à ce moment. Dans la vie de ma sœur qui nous suit à cet instant précis. Sois le Seigneur. Parce que tu es Seigneur, nous savons que nous avons la victoire. Parce que tu es Seigneur, nous savons que nous ne craignons pas. Nous savons que même dans l'ombre de la vallée de la mort, que tu es avec nous et que tu règnes sur toutes choses. Nous ne voulons pas regarder à la barque qui chavire. Nous ne voulons pas regarder aux secousses. Mais nous voulons savoir simplement que tu es avec nous. Nous voulons savoir que tu nous rassures, Éternel. Oui, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu dresses, il est vrai, une table en face de nos adversaires. Mais tu oins nos têtes d'huile, Seigneur. Tu oins nos têtes d'huile afin que nos coupes puissent déborder. Et nous voulons, Seigneur, alléluia, te dire un grand merci. Bien-aimé, lève ta voix. Lève ta voix et adore-le encore. Encore et encore. Encore et encore. Entre dans son intimité avec ce Dieu. Rien ne peut dans sa présence. La joie gagne le cœur de cette personne qui était attristée. Réalise que tu as un grand Dieu. Réalise que tu as un Dieu vivant. Réalise que tu as un Dieu capable. Bien-aimé, réalise que tu as un Dieu qui peut déplacer les montagnes. Réalise que tu as un Dieu qui se lève. Certes, le dernier, mais quand il se lève, ses adversaires se dispersent. Quand il se lève, ta situation est changée. Quand Jésus-Christ se lève, la mort disparaît de ta vie. Quand Jésus-Christ se lève, les problèmes sont réglés. Bien-aimé, je t'annonce que Jésus-Christ va se lever dans ta vie. Il est dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Je crois que la lumière arrive. Et la gloire de la seconde maison est appelée à être plus grande que celle de la première. Nous voulons être dans cette gloire. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons être dans cette atmosphère de la gloire de Dieu. Afin que notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Pour le bien que tu nous fais, Père. Laisse que nous puissions marquer notre génération. Merci parce que tu fais du bien à quelqu'un. Tu fais du bien à quelqu'un, Seigneur.
toute gloire. Merci, merci, Jésus. Devant ta face, ô Dieu de gloire, toi qui vois dans le secret, toi qui connais les vrais adorateurs, toi qui connais ceux qui t'adorent, Seigneur, d'une manière désintéressée, toi qui connais tes véritables enfants, parce que la Bible déclare que tes brebis entendent ta voix et te connaissent, ils te suivent et te connaissent. Seigneur mon Dieu, l'Esprit en moi rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Oh oui, mon Dieu, j'ai cette ferme assurance que je t'appartiens, Jésus. Je n'appartiens pas à un homme. Ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Mais c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui nous as établi. Et je sais qu'en ce moment même, Seigneur, mon frère qui est en train de me suivre, ma soeur qui est en train de me suivre, qui traverse des moments difficiles, je crois, Seigneur, qu'à l'instant même, tu es en train de toucher cette personne. Parce que tu dis dans la Bible, si tu crois, Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Tu as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ma soeur, et mon frère, toi qui es en train de suivre en ce moment, avec des larmes dans les yeux, oh oui, je ne sais pas les épreuves par lesquelles tu passes, mais je sais qu'il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui te voit. Et laisse-moi te dire, confie-toi en l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Car l'homme déçoit, mais l'Éternel Dieu désormais, il ne déçoit jamais. Et moi j'ai mis ma confiance en lui. Oh, je t'adore, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est le meilleur endroit où tu peux être. Au pied du maître. Au pied du maître. Au pied du maître. Les enfants au pied du maître, tu trouveras la vie éternelle au pied du maître, tu trouveras la joie qui a quitté ton cœur, la présence du maître. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta situation, bien-aimé, mais je veux simplement t'inviter à prendre le temps de te tenir devant ce Dieu, te tenir devant la face de ce Dieu. Toutes les personnes qui ont approché son trône ont vu la main de Dieu. Et qui agit, et je crois que Dieu fera quelque chose pour toi. Personne ne peut sortir de la présence de Dieu, personne ne peut sortir de devant de Dieu et rester sans solution, car il est la solution à tous les problèmes. Que le nom de Jésus soit glorifié et que nous puissions ensemble avec les anges acclamer très fort le nom de Jésus, glorifier celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Au pied du maître, au refrain se chante, sois adoré, aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle, louange aux vies, à l'agneau de Dieu. Les pensées du divin conseil parviennent à mes oreilles. Azalikoya. Azali koya solo makolo esa nanzela yo sole la dini.
papa, papa. Pardon,